Coucou tout le monde, je suis Bouri, le Bolbis, et aujourd'hui, on va jouer à un jeu, et c'est mon premier let's play. Alors, comment ça marche ce machin? Bouri, oh. Hein? Quoi? Oh, coucou Diggy, qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi? Oh, bah oui, bah j'ai trouvé une version gratuite de Bandicam, et ce jeu, Yann's Memories. Et maintenant, on va faire un let's play dessus, et on va le mettre sur YouTube. Oh, je peux regarder? Ouais, bien sûr. Alors, c'est Yann's Memories fait par Fred de Dragon, et on va commencer. Aïe, aïe, aïe. Décidément, ce dispositif expérimental de téléportation ne marche pas très bien. Je devrais probablement demander de l'aide à la personne habitant cette maison. Ok, je sais pas ça. Mais putain, ça commence bien. Il y a un truc sombre, qu'est-ce qu'il y a? Propriété secondaire de Natasha et Stéphane Griffel. Les volets sont fermés. Porte fermée. C'est pas humain. Putain, qu'est-ce qu'il va pas dessus? Ok, pas de chute. Porte fermée. Statue. Crayon, lunettes. Lunettes. Diggy. Diggy. Les lunettes, c'est des vêtements? Ils se portent sur le corps? Non, pas quand c'est quelque chose, mais ça, c'est pas grave, je pense. Ouais, c'est vrai. Allez. Des lunettes de vue? Diggy, ça veut dire quoi, de vue? J'en sais rien, moi. Je pense que c'est... Je pense qu'il y a un espace. Et puis, c'est... Ça, c'est pas grave, à la limite. Si je te montre juste quelque chose qu'il y a de plus, des ailes plus loin dans le volet, on va les enlever. Sont soigneusement entreposés ici. Probablement pour faire chauffer une cheminée. Ok, c'est pour ce truc qui brille. Je vais mettre une lettre par terre. Ouais! Super, on a une lettre. Je suppose qu'on peut pas lire les courriers des gens. Est-ce que je vais me prendre un coup? Diggy! Diggy, j'avais combien de PV avant? Je sais pas. Si on commence avec un handicap, ça va être difficile. Allons-y, on sait quoi ça. Quelque chose est écrit sur la croix. Ici repose les cendres de... point, point, point. L'inscription est trop dégradée pour être vue. Ah ouais, la porte est ouverte, super. On va pouvoir se cacher de la pluie. Une pluie très silencieuse, mais... une pluie quand même. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais hélas, il ne semblait y avoir personne. La porte est verrouillée. Ah oui. Il ne s'est pas énervé. Bon, il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici et de trouver de l'aider aussi. De l'aider? Enfin bon, peu importe. Une bouteille. Oh oui, la sauvegarde. Je vais sauvegarder là. C'est quoi ça? Un vieil ours en peluche. Une belle robe rouge, vu les coutures d'avoir des coups humains. Ouais. Oui, c'est mignon. Alors, les livres sur les coutures et les poupées sont rangés ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelque chose est coincé sous la latte du parquet. 3 septembre 1977, papa ne se réveillera pas aujourd'hui. C'est maman qui m'a dit ça. Un grand monsieur en noir et aux cheveux de papa. Il a de grandes ailes noires et porte des vêtements bizarres. Il fait un peu peur, mais mon Dieu qu'il nous protégera. Yann Greffer. La feuille est accompagnée d'un dessin d'enfant. Des bonhommes en bâton. Diggy, tu crois que si je devais commencer à dessiner, je pourrais faire ça? Toi? Je pense que tu seras encore les bonhommes encore plus en bâton. Oh, ok, j'ai pas de chance alors. Bon, continuons. La feuille manque de s'effriter. Qu'est-ce qu'il faut? Point sous une de plancher aussi. Allons-y. Des poupées sont soigneusement alignées, on dirait qu'elles vous regardent. Il est 18h30. Ok. Fournitures diverses. Journal Diane. 20 avril XXXX, temps pluvieux, il ne va pas être facile de démarrer une nouvelle vie après ce qui s'est passé. Mais je reste optimiste et confiant. Avec le traitement et l'aide de mon thérapeute, j'ai la certitude que je peux redémarrer une nouvelle vie. Le reste des pages a été déchiré. Oh. Ah, ça, c'est un journal. Je pensais que c'était une
mug de bière. Ok, pourquoi pas. Des bouteilles d'eau de vie. Un ours en peluche rose. Une étiquette y est attachée. Scarlett. Il regarde de plus près. Attends, il regarde de plus près. Il y a une clé dessous. Ouais, une clé. Qu'est-ce que c'est que cette clé? Clé de l'atelier. Mais il y a un peu de sang dessus. Punaise, ça commence bien. Est-ce que je peux monter là-haut? Oui, je peux. Ok, tout est dans une position bizarre. Contravention. Suppression du véhicule pour conduite en état d'ivresse sur la voie publique. Eh ben. Ok, on va viser les chiens parce que ça m'inspire pas confiance. Ce qui est sanglant, c'est jamais bon. Alors. On va aller par là. Ok. Maintenant, ça marche. Ok. Ordonnance de prescription pour des médicaments. Ordonnance à l'ordre de Monsieur Yann Greffer, renouvelée toute la semaine. Une série de médicaments tels que des cachets antidouleurs, des bandages, du désinfectant, des antidépresseurs et des calmants. Mais putain, ça en fait beaucoup de choses. Quelque chose se trouve sur l'endroit. Oh, une clé. La clé du salon. Classe. C'est les voies d'hiver, feu de glisse et bibliothèque, hôpital psychiatrique Blue Hood, nom du patient Yann Greffer. C'est 6 ans et 3 jours, waouh! Syndrome post-traumatique, post-traumatique, dépression, Killy Gregor. Durée de traitement, terminé, tu me sais traitant. Mais putain. J'ai la vague impression que je fous mon nez là où je ne devrais pas. On est des bootlegs, on fout entre nez partout. Nya, c'est attention, les éternels, tome 1. Les éternels sont des âmes ayant la possibilité de communiquer avec les humains. Ils se présentent sous orange noir. Les éternels peuvent se lier avec les êtres humains. En échange de l'âme du contractant, l'éternel garantit la sécurité de la prochaine génération. Et ainsi de suite, jusqu'au jour où l'éternel ne finira pas disparaître comme toute âme. Notez qu'un éternel peut disparaître s'il ne mange pas assez d'âme. Bah, il n'est pas très éternel alors, cet éternel. Non? Je pense que c'est juste un nom. Mais écoute. T'es un bolbiste? Tu ressembles pas à un bol? C'est pas faux. Bien que ce livre vous paraisse inutile, vous le prenez quand même. Persuadé que vous en trouverez une utilité plus tard. Ok, bon, maintenant on va... Je vais regarder ça. Un dessin. Oh, c'est mignon. Je pourrais pas dessiner mieux. Tête, un tueur. Patron. Chapeau, c'est tout doux. Ah oui. J'aime le chapeau. Des livres, rien. Rien. J'ai vu. Quel étrange trou. Là, y'a rien, là, y'a rien, là, y'a rien, là, y'a rien. On finit ici, je pense. On se garder. Ouais, la porte est déverrouillée. Cheminée. Donc quelque chose dans les cendres. Ouais. Oh super. Une clé. La clé de la cuisine. Ouais. Photo. On peut voir un homme approchant la trentaine avec une femme et une petite fille. Tous trois assis dans l'herbe. Bon, Ziggy, la version de la scène permet d'enregistrer que 10 minutes de la suite, alors je vais arrêter là pour le moment, ok? Et je vais faire une autre partie que je vais enregistrer à part et qu'on va mettre sur YouTube aussi, d'accord? Ok. Alors, à vos chers visionnaires, à plus tard. Portez-vous bien.